Salut à tous, c'est Batsur. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer en multijoueur à Geometry Dash. Car oui, maintenant c'est possible de jouer en multijoueur depuis peu de temps. Et c'est grâce à Geode qui est ce mode là. Et donc je vais vous apprendre comment installer Geode. Et je vais aussi vous apprendre comment faire pour lier votre Geode au Mega Hack pour ceux qui l'ont. Le Mega Hack, si vous avez passé quoi, c'est un autre mode qui coûte 5€. Et qui vous permet de faire beaucoup de choses, comme changer le niveau de vitesse des niveaux par exemple, ou afficher les FPS, l'heure, votre meilleur run, ou ce genre de choses. Et du coup, je vais aussi vous montrer, pour ceux qui veulent acheter le Mega Hack, comment on fait pour l'acheter, comment on fait pour l'installer, et comment on l'utilise. Cette vidéo, elle va être en deux parties, déjà comment installer Geode, et ensuite comment installer le Mega Hack. Et sachez aussi que si vous voulez lier votre Mega Hack à Geode, il faut désinstaller le Mega Hack et déjà installer Geode, avant d'installer le Mega Hack. Donc du coup vous allez sur votre navigateur internet et vous allez tout simplement taper Geode Geometry Dash et vous allez vous rendre sur le premier site. Donc normalement c'est Geode SDK. Vous cliquez sur le site, là ça va vous mettre cette page. Vous allez faire install. Là il va falloir choisir si vous êtes sur Mac, Windows, Android ou Android 32 bits. Du coup moi pour ma part je suis sur Windows, mais si vous êtes sur Mac vous prenez Mac, etc. Ensuite ça va vous lancer Geode Installer. Une fois que vous avez ça, vous allez du coup dans vos téléchargements et vous allez faire double clic. Voilà, ça va vous mettre ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. C'est juste que vu que Windows il connaît pas l'application, ça met ça. Mais du coup, vous faites exécuter quand même. Moi, je l'ai fait, il n'y a rien, il n'y a pas de virus. C'est bien vérifié, ne vous inquiétez pas. Ensuite, ici, vous mettez English parce que de toute façon, il n'y a pas français. Vous faites OK, next. Là, vous faites I agree, next, next, install. Je vais pas le refaire, mais du coup, en gros, si, je vais peut-être le faire, ouais, voilà. En gros, moi, ça va mettre ça, parce que moi, c'est déjà installé, mais vous, ça va vous mettre normalement installation avec succès ou un truc du genre. Normalement, une fois que vous avez Geode, quand vous lancez votre Geometry Dash, il y a ce petit truc qui va apparaître, et quand vous cliquez dessus, vous avez tout ça. Donc, en gros, ça va vous permettre d'avoir plein de nouveaux modes à votre Geometry Dash, directement dans le jeu, c'est-à-dire que vous pouvez installer les modes directement dans le jeu. Par exemple, si on prend ce mode-là, vous pouvez faire install et vous avez le mode directement dans Geometry Dash. Et ça, c'est vraiment grave bien, c'est en vrai, c'est une révolution hein, pour moi. Et voilà. Donc ce qui vous intéresse, vous, c'est de jouer en multijoueur. Donc ce que vous allez taper, c'est Globed. Comme ça. Donc là, bien sûr, vous tapez dans Download, mais moi, vu que je l'ai déjà Download, il apparaît pas. Moi, il est dans Installed, et du coup, c'est ce mode-là qui va vous permettre de jouer en multijoueur. Quand vous installez un mode avec Geode, vous allez avoir un bouton Restart. Il va falloir cliquer dessus, ça va relancer votre jeu pour que le mode s'installe tout simplement. Maintenant, je vais vous donner quelques modes intéressants pour améliorer votre jeu. Déjà, vous avez Death Marker. Ça, c'est un très bon mode. C'est un mode qui va vous permettre de mettre des marqueurs de mort à chaque fois que vous mourrez dans un niveau. Un peu à la Super Mario Maker pour ceux qui connaissent. Ensuite, vous avez ce mode, le Dark Mode. Tout simplement, ça rend votre jeu en noir. Par exemple, je sais pas si vous allez ici, vous voyez que c'est en noir. Ça rajoute un petit style. Voilà, si vous avez un pack de textures, ça vous servira pas à grand chose, mais ça peut toujours vous servir. Ensuite, Better Info, ça c'est très très bien comme mode, car ça vous permet tout simplement d'avoir beaucoup plus d'infos sur un niveau. Par exemple, si on va prendre un Easy Demon, admettons, on va prendre Ease. Là, vous voyez que si on clique sur l'info, on a la progression, on a le time du best attempt, les clics du best attempt, et on a même ça, voilà, on a plein de choses. Et aussi, également, si vous cliquez là, vous allez voir, par exemple, quand le niveau a été upload, donc en 2020, le nombre d'objets, la taille du niveau. Vraiment, c'est grave bien, c'est grave intéressant, et ça peut vraiment servir pour beaucoup de choses. Ensuite, vous avez GDDP intégration. Tout simplement, ça va intégrer la GDDP à votre Geometry Dash. Si vous savez pas c'est quoi la GDDP, c'est une liste de démons qui vous permet de vous améliorer le meilleur possible pour passer un cap de démon petit à petit, c'est-à-dire que vous allez faire des easy simples jusqu'au easy difficile, après des médiums simples au médium difficile, jusqu'à monter, jusqu'à extrême, tout simplement. Et ensuite, vous avez aussi quelques autres modes comme Golden Best qui vous permet d'afficher votre pourcentage en jaune dès que vous battez votre record, ou Grand Pas Démon qui rajoute des difficultés après extrême démon. Le Mega Pro, on va juste y revenir après. Et vous avez la GD Roulette aussi qui permet de générer un niveau aléatoirement dans n'importe quelle difficulté. Et ça, c'est grave pratique. Maintenant, on va s'intéresser au Mega Hack Pro. Alors, sachez qu'il y a une version gratuite, mais qui est très limitée. Et vous avez le Mega Hack Pro qui coûte 5€, mais qui est vachement utile. Moi, en tout cas, il m'aide beaucoup. Et il rend le jeu vachement agréable à jouer. Donc, du coup, pour le Mega Hack Pro, vous allez taper tout simplement Mega Hack Geometry Dash. Et vous allez tomber sur ce site
qui s'appelle Absolute. Alors soit vous cliquez directement sur ce site, soit vous cliquez sur le Mega V8 qui est la version 2.2 de Geometry Dash. Donc moi je clique directement sur ce lien. Et vous allez voir que ici, il coûte bien 4,99$, ce qui fait 4,50€ si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc bah tout simplement vous allez cliquer et vous allez devoir payer le Mega si vous l'avez pas. Et ensuite, une fois que vous l'avez payé, normalement, vous avez juste à vous connecter. En gros, vous vous connectez avec votre adresse mail et votre mot de passe. Et c'est grave important de le retenir. Vous voyez que là, on peut se connecter. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez votre adresse mail et vos mots de passe et vous le confirmez. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez acheter le Mega Hack V8 Pro. Et ce qui est important, c'est vraiment de retenir son adresse mail et son mot de passe où vous l'avez acheté. Parce qu'en fait, si jamais vous changez d'ordi ou vous réinitialisez votre PC, va falloir se reconnecter pour pas avoir à le repayer plus tard, parce que forcément si vous savez plus vos mots de passe, il va falloir le repayer avec un nouveau compte, et c'est un peu chiant à mettre 5€ à chaque fois. Et ensuite vous allez tout simplement là vous vous login, et ensuite une fois que vous êtes connecté, vous avez ça, vous avez le V8, le V7.1, le V6.3 et le Mega Hack mobile. Si vous êtes sur mobile, vous prenez celui-là. Mais sinon, sur PC, je vous conseille celui-là parce que de toute façon, c'est la dernière version qui va avec Geometry Dash 2.2. Vous cliquez dessus, ça va vous installer ça, Mega Hack Installer. Vous allez dans votre téléchargement, vous faites double-clic, encore double-clic. Et là, vous allez installer Universal Installer. Vous faites extraire tout, extraire. Ensuite, vous avez ça, vous faites double-clic. Et là, vous allez installer Universal Installer et c'est le logo vert normalement. Vous faites double-clic. Et c'est à partir de là que le Mega Hack, du coup, va être installé. Sachez aussi que le Mega Hack, c'est autorisé sur Geometry Dash tant que vous ne cheatez pas avec, tant que vous faites pas, finissez pas des niveaux en no-clip ou ce genre de choses, vous avez aucune raison de vous faire ban. Mais par exemple, si c'est pour avoir des informations supplémentaires, tout ça, ça, vous avez le droit. Donc faites attention avec ce que vous faisiez dans le Mega Hack, c'est important parce que si vous faites des bêtises, vous pouvez vous faire ban de votre compte, donc c'est important de le savoir quand même. Donc là, nous y venons à la connexion entre Geode et le Mega Hack. Tout simplement, ici vous avez V8.0 et vous avez V8.0 Alpha ou Geode. Donc c'est là que Geode intervient, c'est pour ça qu'il faut déjà installer Geode avant le Mega Hack. Si vous avez déjà le Mega Hack avant, vous avez tout simplement juste à enlever le Mega Hack et après le remettre. Et donc vous le réinstallez en V8 Geode et vous faites install. Et là normalement, ça va vous installer le Mega Hack et le Mega Hack sera dans votre Geometry Dash. Et pour ceux qui sont pas au courant, pour lancer le Mega Hack, parce que moi au début je savais pas vraiment, vous faites juste Tab et ça le lance. Tab, si vous savez pas c'est quoi, c'est la touche avec les deux flèches qui est au-dessus de Maj. C'est juste pour indication pour ceux qui savent pas. Si vous voulez savoir aussi comment rejoindre un groupe ou faire un groupe en multijoueur pour jouer avec vos amis ou alors jouer en public, vous allez sur cette petite planète qui est apparue normalement quand vous avez installé Globe et que vous avez fait restart votre jeu. Vous cliquez, vous faites join et en gros là vous êtes dans un serveur, donc le serveur principal en Europe. Donc vous voyez qu'il y a 2128 joueurs. Et vous voyez aussi que normalement si on clique sur un niveau, bah il y a des gens, voilà. Donc je vais quitter parce que bon, souvent dans les vocaux ça part un peu en couille, mais bref. Et donc si vous voulez créer votre serveur avec vos potes, vous appuyez sur le bonhomme en bleu et vous faites create room. Et là vous avez un numéro de room qui apparaît. Et ce numéro, en fait, vos potes quand ils vont faire join room, ici ils vont devoir mettre le numéro et tout simplement vous allez être dans la même game et vous pouvez faire les niveaux que vous voulez avec vos potes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé parce que moi personnellement au début je savais pas vraiment comment faire. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'était Batsur, à bientôt.